Grosse affluence ce mercredi dans les grands magasins de Londres, et pour cause, c'est ce que les anglophones appellent le Boxing Day, des soldes géantes organisées tous les ans au lendemain de Noël. La grève des conducteurs de métro n'a apparemment pas découragé les inconditionnels du shopping, qu'ils soient britanniques ou étrangers. Nous sommes ravis de cette journée, commente cette responsable d'un grand magasin. Avant l'ouverture, il y avait une immense file d'attente. Les gens se sont rués notamment sur les produits cosmétiques pour faire de bonnes affaires. Selon un site spécialisé dans la consommation, ce sont l'équivalent de 3,5 milliards d'euros qui devraient être dépensés en une journée, que ce soit sur Internet ou directement dans les magasins. On fait la queue depuis 5 heures du matin, dit cette jeune femme. On espère bien dénicher quelques bonnes affaires. Just for fun. On est là juste pour le plaisir, ajoute ce jeune homme. On peut dire que c'est une expérience. Au départ, le Boxing Day était l'occasion de distribuer des cadeaux aux plus pauvres. Aujourd'hui, c'est une tradition tout ce qu'il y a de plus commercial. Elle est observée dans de nombreux pays du Commonwealth.